Cérémonie de lancement du régime complémentaire mardi à Abidjan, PH, les résultats des concours administratifs 2021 qui se sont déroulés les entre 9 et 10 octobre dernier sont disponibles, apprend Coassi auprès du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Ils sont disponibles sur le site https://resultats-fonctionpublique.misonec.org/202. Par ailleurs, Madame la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anou Loto-Désiré, a pris part le mardi 2 novembre 2021, à Abidjan, à la cérémonie de lancement officiel du régime de retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Au cours de son intervention, Madame le ministre a exprimé sa satisfaction devant cette opportunité offerte aux fonctionnaires et agents de l'État, qui tout en travaillant pour le bonheur et le bien-être de leurs concitoyens, pourront garder leur sérénité, car assurés de pouvoir vivre dans la dignité, grâce à ce régime de retraite complémentaire. Car a-t-elle précisé, ce régime offre la possibilité, aux fonctionnaires et agents de l'État, de constituer une épargne sécurisée et transparente qui leur permettra d'améliorer le niveau de la pension contribuant ainsi à maintenir leur qualité de vie ainsi que celle de leur famille, à la retraite. Le ministre Anne-Désiré Ouloto a, enfin, lancé un appel à tous les fonctionnaires et agents de l'État pour une adhésion totale à ce mécanisme de solidarité, qui les mettra à l'abri de la précarité et de nombreuses frustrations.